Ça suffira pour terminer la vidéo.
l'impression qu'il recommence peut-être ses problèmes de pattes. On ne s'en sort pas avec ces trucs parce que le problème c'est qu'en fait il a rien de grave, mais en même temps il a une gêne. Et du coup les métaux ne disent pas. Le problème c'est qu'à la radio il n'y a rien. Du coup là c'est difficile de savoir ce qu'il a. Mais on voit bien qu'il est gêné, donc du coup nous ça nous rend quand même. Je m'inquiète. Bonsoir à tous. Je vais vous faire une partie en voix off parce que là, comme je ne suis pas chez moi vu que je suis en vacances, c'est un peu compliqué de passer mon temps à prendre l'appareil photo, l'installer pour filmer. En même temps, il y a du bruit dans le logement, tout ça. Enfin bon, bref. Donc voilà. Alors j'ai assez peu vlogué la semaine qui s'est écoulée avant la. Parce que, bah comme à chaque fois que je pars en vacances, c'est la course pour faire les vidéos ASMR de la semaine qui suit, voire même le plus tard possible, pour être tranquille en vacances et tout ça, plus travailler, plus vivre ma vie normale, etc. Donc voilà, surtout que j'ai eu le stress qui revient petit à petit, je sais plus si j'en avais pas déjà parlé. Mais voilà, comme je sais que les 4 mois qui vont venir, donc de septembre à décembre, vont être éprouvants en termes de boulot. Et j'appréhende déjà Noël, parce que cette année ce sera un peu particulier chez moi. Donc ouais, l'un dans l'autre, j'ai le stress qui petit à petit remonte, je vais pas le cacher. Donc du coup bah on fait avec, mais c'est pas toujours évident. Mardi je suis enfin allée chez le coiffeur, ça fait 2 mois que je vais dire que je devais y aller parce que j'avais les cheveux qui s'étaient abîmés. Sauf que j'avais pas pensé que comme ça y est on entrait dans la période, on a passé le 15 août, c'est la rentrée des classes, et ben tout le monde allait aller chez le coiffeur pour soit les enfants, soit comme moi, se rafraîchir mode oh là là, nouvelle année, nouvelle rentrée, nouvelle coupe. Et du coup la coiffeuse qui me coiffait, mais elle a mais pas clé son travail, mais c'était n'importe quoi. Elle s'est déjà elle m'a prise en retard par rapport au rendez-vous, sauf que moi après en fait j'avais un rendez-vous pour faire autre chose, pour aider un proche, donc en fait j'avais pas des plombes à consacrer à ça, donc déjà ça m'a saoulée. Mais bon après voilà, c'est ça, voilà, après tout ça pourquoi pas. Pendant qu'elle me faisait mon shampoing, elle m'a abandonné pendant plus de 5 minutes. Mais je vous jure, 5, plus de 5, voire même 10 vraies minutes. Avec un shampoing à demi fait. Voilà, normal. Et puis les autres employés bah, qui étaient débordés, sauf la stagiaire, qui elle ne foutait rien, n'ont pas pu s'occuper de moi. Alors pourquoi on laisse pas la stagiaire faire les shampoings? Bon, je suppose qu'il y a des raisons, mais c'est pareil, ça m'a un peu saoulé. Et après, elle m'a coupé les cheveux n'importe comment, clairement. Alors que pourtant, c'était une coiffeuse largement expérimentée, parce que c'était pas du tout la première fois que je la voyais dans ce salon. Et puis même, si vous voulez, elle n'avait pas l'air d'avoir 18 ans et demi et de commencer, quoi. Loin de là. Et mais voilà, comme elle avait trop de monde, trop de machin, bah, elle a bâclé son travail. Et résultat, je n'ai pas du tout la coupe que je voulais. Et du coup, ça me saoule, parce que ben, j'ai les cheveux... enfin oui, qui respecte pas tout ce que je voulais, et voilà, ça m'énerve parce que bon, moi je sais que c'est que des cheveux, mais quand tu vas 3 fois chez le coiffeur dans l'année, bah t'aimes bien qu'on fasse ce que tu demandes, quoi. Sachant que je demande pas un truc compliqué, hein, mais bon, voilà, bon, bref. Donc ça m'a grave énervé. Jeudi, j'ai dû aller au Mans du coup pour un rendez-vous pour les dents. Ça a été, mais du coup, j'en ai profité pour aller faire bah, quelques magasins vu que j'avais pu. Libérer l'après-midi. Donc je suis allée à Decathlon et regarder aussi des canapés. Parce qu'avec mon chéri, on parle depuis.
puis un moment de changer de canapé. Vous allez vous marrer, hein, parce que vous allez me dire, Laura, tu parles de changer tes Félix, tu le fais pas, tu parles de changer tes canapés, tu le fais pas. T'as déjà parlé de changer ton matelas, tu l'as toujours pas fait. Voilà, bah écoutez, c'est comme ça. Parce que, un, faut trouver le budget, deux, faut trouver le temps, et trois, faut se mettre d'accord. Et chez nous, c'est trois choses qui sont très compliquées. Donc, voilà. Écoutez, pour ça. Ensuite, le samedi, donc on est parti. Comme d'hab, on était méga en retard par rapport à ce qu'on... à l'heure à laquelle on voulait partir, parce qu'en fait, mon chéri était pas très bien. Et du coup, bah, il a fallu que je gère beaucoup plus de choses toute seule, dans la préparation de la bouffe, finir de nettoyer la fontaine à eau pour les chats, mettre un nouveau filtre, aller voir les voisins pour que, leur redire ce qui allait pas, tout ça. Ah oui, dans la semaine aussi, on était allé. Mais ça, je crois que je vous l'ai raconté. Qu'on était allé voir pour Biscotte chez le véto. Oh, je sais plus, bon, bref. Si je vous l'ai pas raconté, bah, je vous le raconterai plus tard, vous me redirez. Mais du coup, voilà. Qu'est-ce que je disais déjà? Ouais, donc du coup, samedi, on est parti plus en retard que ce qu'on pensait. Et sur la route, il y avait plein de monde. Parce que le problème, c'est que comme il n'y a pas d'autoroute en Bretagne, ben tu te retrouves, tout le monde est sur la nationale, quoi. Et c'est une deux voies, et du coup, c'était vraiment chiant, franchement. Il faisait chaud, du coup, on avait un horaire pour essayer d'arriver, pour récupérer, du coup, notre logement au camping. Et du coup, je voyais bien qu'on allait être en retard, mais en même temps, il n'y avait pas le choix. Enfin, bon, bref. Ça nous a vraiment saoulés. Et bah, le soir, on est juste allé faire des courses, du coup, pour manger, quoi. Le dimanche, qu'est-ce qu'on a fait? Le matin, moi, j'étais pas au top parce que j'étais vraiment épuisée de cette journée du samedi, très éprouvante. Du coup, on a fait un démarrage en douceur. Et l'après-midi, on est allé à Vannes, vu qu'on n'est pas trop trop loin, pour faire un tour dans les magasins, regarder la vieille ville, tout ça. Mais pareil, c'était vraiment blindé, je pensais pas que ce serait aussi rempli. Le golfe du Morbihan. Et trop de monde, trop de gens, trop de tout. Et du coup, c'était un peu chiant. En plus, on s'est encore fait. Alors, ça, mon chéri, le pauvre, il se fait tout le temps emmerder. Il a une tête qui attire les gens pour les emmerdes. Notamment les vieilles bénévoles dans les églises. Je ne sais pas pourquoi. Donc voilà, donc déjà ça nous a pas forcément mis dans de bonnes dispositions mentales tous les deux. Plus le monde, plus machin. Voilà quoi. Par contre, à côté de la porte, je crois que ça s'appelle la porte Saint-Vincent de Vannes, on a trouvé une boulangerie qui faisait des grosses parts de pizza blindées de garniture, des quiches, des brownies, des cookies, tout ça, qui était pas mal. Donc, je recommande. Ensuite, qu'est-ce que je voulais vous raconter? Bon, voilà, après, de la plage, des trucs comme ça. Et ensuite, le lundi. Non, attendez une seconde, je suis en train de me rappeler que j'avais aussi, on s'est aussi baladé sur le port, tout ça, à Vannes. Et que justement, je crois que j'ai un tout petit peu filmé, donc il faudra que je vous mette les images de ça, le port. Et ah oui, si, il y avait un petit marché aussi où on s'est baladé, c'était sympa. Il y avait aussi le petit marché où on s'est baladé parce qu'on est tombé dessus, c'était pile le bonjour, donc ça, c'était sympa de regarder un petit peu les différents étals. Les beaux tableaux, les choses comme ça, bon, même si ça coûte très cher. Soyons réalistes, mais alors par contre, il y en a qui étaient beaux. Oui, donc ensuite, lundi, on avait quoi? Il a fallu que je bosse un tout petit peu, j'avais un rendez-vous pour le boulot le matin. Ensuite, on est allé faire une... Ah oui, ensuite, on est allé à la piscine du camping. Et ensuite, on est allé faire une randonnée sur les bords du golfe du Morbihan. En suivant les voies des Romains ou un truc comme ça, je sais plus comment ça s'appelle. Évidemment, c'était un aller-retour.
Au moment où on a terminé l'allée, il se met à pleuvoir. La poisse. Bon, après, ça va, il pleuvait pas non plus des trompes d'eau. Donc, on s'est abrité le temps que ça se calme un peu, puis après, on est rentré. Et ensuite, le soir, franchement, on a voulu aller faire quelques magasins, notamment pour regarder des lunettes de soleil particulièrement, mon chéri. Évidemment, ils en avaient pas. Première fois dans notre vie en France qu'on trouve une ville où il n'y en a pas. Parce que c'est quand même une marque chère, mais qui est courante, quoi. Donc voilà, super étonné. Ensuite, on se dit, bon, allez, on va se faire un resto. Qu'on voulait des burgers. On va dans un premier restaurant, il y avait des burgers végés. Mais les burgers classiques, il n'y avait rien, mais vraiment rien qui convenait à mon chéri. Sachant que mon chéri a pour particularité de ne pas manger de fromage. Mais enfin, je veux dire, c'est pas le seul en France. Voilà quoi. Que ce soit par goût, par obligation de santé, enfin je veux dire allergie ou autre. Merde, il y a quand même des milliers de gens qui sont comme ça. Donc voilà, donc tu peux quand même faire une option sans ça. Ensuite, on se dit, bon bah c'est pas grave, on va se rabattre vers Hippopotamus exceptionnellement fermé. Ensuite, on va voir à la boucherie. Pas un seul truc végé pour moi, à part des salades. Pff, voilà quoi. Mais... Mince. Donc ensuite, il nous restait quoi? Il nous restait les fast-food ou alors aller en centre-ville, machin et tout ça. Pff, on n'en pouvait plus, ça faisait 3 quarts d'heure qu'on tournait pour nos histoires de burgers. Donc au final, on est allé prendre des pizzas dans un resto qui s'appelle... Je sais plus quoi, je vous l'aurais dit dans ma vidéo de ce que je mange. Et franchement, la pizza avait quasiment aucune garniture. Alors certes, la pâte à pizza en elle-même était vraiment très bonne, mais quasiment aucune garniture. Donc à 12 euros la pizza, tu te dis, on se fout un peu de ma gueule. Et en plus, j'avais pris deux desserts, dont un tiramisu spéculoos qui était mais vraiment, mais imbibé de flotte, mais dégueu quoi. Donc voilà. Et là, on avait regardé la moitié d'un film le dimanche soir et on a regardé l'autre moitié le lundi soir. Et bah, nul aussi. Et du coup, mais franchement, mais vraiment, on était énervés tous les deux. Ah oui, j'ai oublié de dire aussi que le lundi, j'ai profité du... Non, pas le lundi, le dimanche, j'ai profité du fait qu'il faisait pas beau. Et que du coup, on était à l'intérieur pour filmer une vidéo ASMR écriture, vu qu'il y avait du calme, comme il faisait pas beau, bah, il n'y avait pas de bruit dehors. Et que mon chéri était encore en train de dormir, ou alors il était levé, mais il ne faisait pas de bruit, je sais plus. Mais voilà, j'ai quand même pu filmer une vidéo. Et je me demande si, justement, le matin, comme je me lève quasiment systématiquement avant mon chéri, ou alors le midi, quand on fait les temps calmes un peu, tout ça. Est-ce que je vais pas faire comme l'autre fois et filmer une vidéo Animal Crossing? On va voir. Mais voilà, pour les péripéties déjà qui sont arrivées ces derniers jours. Alors, mardi, on avait un super temps. Le matin, je suis allée faire quelques courses pendant que mon chéri dormait encore parce que bah, on n'avait plus grand-chose à manger. Rassurez-moi, j'espère qu'il y en a qui sont quand même comme nous. C'est-à-dire qu'ils font les courses dès qu'ils arrivent en vacances. Sauf qu'ils les font pas très bien. Et du coup, après, il faut les refaire 2 jours après. Tout c'est toujours comme ça. Enfin bon, bref. Et voilà, donc je suis allée faire quelques courses. Après, on est allé à la plage. On s'est un peu baigné, tout ça, tout ça. Et après, on avait réservé une visite à Carnac. Donc on s'est mis en route. Et on s'est arrêté au port de Saint-Goustan, à côté d'Auray, parce qu'on nous avait conseillé cet endroit-là, vu que c'était mignon. Alors effectivement, c'était mignon. Mais bah, comme partout ici, il y avait beaucoup de monde. Donc voilà, enfin moi j'aurais pas fait... Je suis contente d'avoir pu profiter d'être sur la route pour le faire, parce que faire un aller-retour de loin juste pour ça, ça aurait pas été très malin. Donc voilà. Donc on est allé... un petit tour dans le port, prendre quelques photos et après, donc on est allé à Carnac. Alors Carnac, laisse tomber, c'est blindé de monde, mais vraiment énormément parce que c'est un site de mégalithes. Donc
pierres érigées au néolithique, pour ceux qui ne connaîtraient pas. Et donc on avait l'accès au mégalithe se fait uniquement avec un guide l'été pour éviter qu'il y ait trop de monde qui passe au pied des mégalithes, abîme les racines des végétaux et fasse que les mégalithes tombent, nous a expliqué la guide. Donc la visite était vraiment très sympa, vraiment intéressant. Moi j'aime bien, je trouve ça intéressant cette période-là de l'histoire. Même si après, bah, plus on monte dans le temps, plus c'est difficile d'avoir beaucoup de certitudes. Donc voilà, mais moi j'ai trouvé ça très intéressant. On avait très chaud par contre, mais voilà. Ensuite on a fait un petit tour à Karnak et puis après on est rentré. Et on avait réservé une visite des remparts au niveau de Van. Donc encore une fois, levée tranquille du Animal Crossing, parce que là j'en profite d'être en vacances pour jouer plus longtemps et tout ça. D'ailleurs j'ai même profité aussi de maintenant pour gagner des sous dans Animal Crossing, c'est-à-dire que vous savez peut-être que quand je joue, je filme pour faire des vidéos pour vous. Et là, en fait, ces derniers jours, j'ai dû jouer peut-être 2 heures sans filmer parce que, ben voilà, je vais chercher des coquillages, je vais chercher des poissons, je vais chercher des insectes. Et je les vends juste pour, voilà, mettre, gagner des sous et pouvoir avancer dans le jeu après. Du coup, voilà. Donc, il y a des périodes que j'ai pas filmées, mais je me suis dit que c'était pas grave et que ça gênerait pas que ce soit comme ça. Du coup, je sais plus ce que je disais. Ah oui. Après, oh la plage, parce qu'il faisait vraiment un temps magnifique. Et ensuite, balade dans Van, regarder des trucs dans les magasins. Et après la visite, alors la visite était vraiment intéressante. La guide était très très bien. Mais le problème, c'est que comme c'était une visite spéciale rempart, je trouve que la guide venait nous donner beaucoup beaucoup d'informations sur certains lieux des remparts. Mais en même temps, j'ai trouvé que, je sais pas, enfin, il y avait parfois trop de détails sur certaines choses et pas assez de généralité. J'avais l'impression que si on n'était pas spécialiste de l'histoire de la Bretagne et du duché de Vannes, c'était, enfin, nous qui n'y connaissons rien, c'était assez difficile de suivre, quoi. Donc voilà. Mais après, c'était intéressant. Par contre, enchaîner 2 jours de visite où tu piétines sur place en plein cagnard, on avait mis les pieds, le dos, enfin tout en feu, quoi. Donc on a fait une soirée tranquille. Avec un peu encore un film et tout ça. Et là, jeudi aujourd'hui, je suis allée chercher donc des gâteaux, puisque en fait, vous verrez ça longtemps après, mais c'est mon anniversaire aujourd'hui. C'est aussi pour ça qu'on est parti cette semaine-là et pas une autre dans le mois d'août, pour que ça coïncide. Et donc voilà, pour l'instant, là, comme il fait pas beau du tout, plutôt froid, bah, j'ai fait du Animal Crossing et je suis allée faire quelques magasins, mais sans plus. Bon, désolé, vous avez entendu mon chéri éternuer, mais j'ai la flemme de couper et de reprendre. Et du coup, je sais plus ce que je disais. Oui, c'est ça, enfin là, voilà, pour l'instant, ça a été Animal Crossing et ouais, quelques boutiques. Je suis allée retourner à la Trinité, mais il y a quand même beaucoup de choses qui sont assez chères là-bas, donc je sais pas, j'ai rien acheté. La Belle-Île-Oise, j'y suis passée, mais on nous en a offert pas mal ces derniers temps, donc sachant qu'on n'en mange pas énormément, ben, du coup on en a encore à la maison, donc pareil, j'ai rien acheté. Et par contre, j'ai acheté une tonne. Franchement, j'ai pas su résister, tout avait l'air si bon dans la boulangerie, donc voilà, voilà pour ça. Et cet après-midi, on fait une.
une croisière du golfe du Morbihan parce que j'ai beaucoup beaucoup hésité est-ce qu'on en faisait une ou pas parce que d'un côté c'est clairement des promenades couillons comme on dit dans ma famille parce que voilà bah, c'est la trappe touriste de base hein, clairement soyons réalistes mais d'un autre côté j'avais pas trop envie d'aller sur l'île aux moines et l'île d'Arles parce que je vois bien qu'il y a du monde partout et je me dis être bloqué sur entre guillemets bloqué sur une île avec énormément de monde je sais pas je le sentais pas donc je me suis dit la croisière sans escale finalement c'est ce qui me plairait le plus et comme je pense que je ne reviendrai pas de sitôt dans le golfe du Morbihan parce que il y a vraiment vraiment beaucoup trop de monde pour moi et pour mon chéri n'en parlons pas lui c'est il le supporte encore moins et que certes c'est joli mais qu'il y a d'autres coins jolis en France qui me tenteraient de voir bah, je me suis dit profites-en pour faire ton tour et voilà et ah oui aussi sur l'île d'Arles et l'île aux Moines les randonnées pédestres elles sont trop longues pour moi et le problème c'est que j'ai les genoux très fragiles et donc le vélo c'est très compliqué surtout que c'est pas non plus un tour de 20 minutes quoi c'est des tours de quelques heures aussi en vélo et une demi-journée à pied et donc voilà l'un dans l'autre voilà j'ai préféré m'abstenir après peut-être que vous me direz en commentaire que j'aurais mieux fait de le faire mais bah écoutez tant pis donc voilà donc c'est ça le programme du soir enfin de cet après-midi et ce soir un resto je suis pas encore décidé sur lequel parce que celui que j'avais repéré a eu des avis un peu négatifs ces derniers temps, donc peut-être changer d'avis, je sais pas. À voir. Je suis en pleine partie d'Animal Crossing et j'ai besoin de faire une liste des objets dont j'ai besoin dans le jeu, dans la maison. Donc, il faut que je note les objets. Donc, j'ai besoin de boîte à malice pêche, fauteuil pêche, peau. On va noter ça. Boîte. Malice. Pêche. Fauteuil. Pêche. Et j'ai dit quoi? Peau. En fait, ce sont des objets que je dois mettre dans des parcelles dans le jeu. Et donc, il faut retenir ce qu'il faut construire. Le jeu. Donc, tabouret en pierre, table en pierre, corde à linge, tabouret, pierre, table, pierre, corde, linge. Mince, j'ai oublié de faire entrer. Donc, voilà, comme c'est long de retenir tous ces machins, tout, je me fais une petite liste de ce que chaise en jardin naturel. Chaise, jardin naturel. Table, jardin naturel.
Thank you.
Est-ce que ça vaut le coup de se forcer? Coûte que coûte. Thank you.
Soir.